Gagner, Robert, tu le sais, vous le savez tous, l'étalon, c'est bien évidemment l'emblème du Burkina Faso. C'est un centre équestre bien particulier que je m'apprête à découvrir maintenant. C'est bien ça, Big Ben? Oui, Maryse, nous sommes à Nyok, c'est un des quartiers les plus courus de la ville. Je t'emmène voir une famille mythique, la famille Dermé. Je suis presque sûr d'une chose, la cavalière émérite que tu es aura beaucoup de mal à résister à la tentation de faire un petit tour à cheval. Tu vas voir. Écoute, ça, on verra. Mais en tout cas, je veux aller voir les chevaux. On y va? Allez, c'est parti. C'est parti. Bonjour. Au revoir, bonne arrivée. Merci beaucoup, merci. Eh ben dis donc, mais ça commence tôt. Oui, hein? il montre très tôt. Il commence comme ça, le petit. Nous voilà ici donc dans le quartier général de la famille Dermé. C'est une famille très particulière puisque tout le quartier a été donné il y a plus d'un demi-siècle à la famille Dermé en échange de son travail du bronze. C'était une famille qui venait du Mali et qui a mené avec elle cette tradition des chevaux mandingues que tout le quartier perpétue. Donc vous êtes cavalier, dresseur, mais aussi dans ce quartier bronzier, c'est bien ça? Oui, il y a des cavaliers, il y a des bronziers aussi. On m'a dit, en plus, qu'ici, il y avait des champions, et même des champions du Burkina. Si, il y a un cheval qui est par hasard, de l'autre côté, Barak Biga, qui a été le championnat. Mais vous ne faites pas que ça? On fait la voltige, on fait du dressage, on fait beaucoup de choses avec les chevaux. Alors, moi, je vous propose quand même, parce que j'aime bien voir les choses en images, vous êtes d'accord pour monter pour moi, pour me montrer un petit peu comment vous vous occupez des chevaux, c'est possible? Oui. Là, vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec les chevaux. Alors, on y va tout de suite, tu viens avec nous, Bipa. Et ne te recule pas comme ça, toi aussi, tu vas monter, attention. Hein. Oh non, oh non. C'est ici qu'on s'entraîne. Alors moi j'avais quand même envie de vous poser une question un peu délicate. Ce cheval mandingue et ce que vous faites, les cavaliers ici avec la famille Dermé, c'est quand même un patrimoine national. Est-ce que vous êtes soutenu? Est-ce que vous êtes aidé pour entretenir les chevaux, pour faire vos spectacles? Non, on n'a pas été aidé. Puis c'est grâce à Madi Dermé aussi que nous, on travaille avec les chevaux. Bon, ça fera peut-être partie de l'un de mes coups de gueule. Hein. C'est un petit coucou du côté du Burkina et de ceux qui peuvent soutenir cette belle activité. Je suis intronisée. Maintenant, je t'attends et je vous attends tous d'ailleurs sur le cheval. Là. Allez, plus d'Afrique, on se retrouve. Je sais pas, je crois que je vais rester ici, moi. Je reste. Allez, on y va. Oui.